Salut les Kebs et les personnes d'autre part, bienvenue sur la chaîne des Infrécambles. Aujourd'hui, gros concept de marde, sérieux. On va essayer tous les fucking simulators qui existent sur la planète. Fait que, ben c'est pas mal ça, c'est la série de vidéos qui vous attend. Fait que, on commence suite sur le premier simulator, Lawn Mowing Simulator, un jeu de coupage de gazon. Sérieusement, je comprends pas les simulateurs. Je veux bien que tu sois passionné par la coupe de gazon, mais en faire un jeu, puis genre, en tout cas, je comprends pas. Mais c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On essaye de rentrer dans la peau, justement, des personnes qui pratiquent ce métier. Déjà le menu, wow, ok, la musique, on commence bien. Wow, attends, on va baisser le son de la musique tout de suite. Les lieux de Grande-Bretagne antiques sont déverrouillés en mode de tonte libre. attends, y a pas des options là? Ah oui, option escape. Non, pas tonte libre. Je veux faire. Tabarnan, de la musique. Bon, ok, fait qu'on commence tout de suite une nouvelle carrière. Est-ce qu'on a besoin du tutoriel? Je pense que oui, j'ai jamais joué à ce jeu là. Bon, ok, nom de l'entreprise, on va l'appeler les Infrés Coupe. Ok, c'est bon. Logo de l'entreprise. Je peux pas choisir une image que j'ai dans mon. Bon, ok, mais on va y aller classique. On va partir sur un logo de gazon. Modification du joueur. Nom du joueur. À l'axe. On va prendre un gars random. Enfin, cet homme. Attends, on va la mettre verte vu que c'est un coupeur de gazon puis il aime ça. C'est pas mal tout ce qui définit sa vie en fait. Le logo de l'entreprise, on veut sur le chess. Couleur de l'uniforme, on va mettre ça vert. Wow, ok. Tabarnan. Non, je le veux vert. Ouais, vert gazon. Ok, fait que là, on a fini. Confirmé. Accepté. Oh non. Ce véhicule est équipé d'un plateau collecteur qui stocke l'herbe tondue. Ok. Oh, R, essai de conduite. Accepté. Ok, on va essayer notre nouvelle tondeuse. Le prochain, je pense, ça va être Farming Simulator. Parce qu'en plus, j'ai déménagé en campagne. Fait que ça va comme m'apprendre à vivre en campagne avec les vaches puis genre les fermer. Oh shit, ok, c'est poussé. Oh my god. Ok. Je peux-tu embarquer dessus? F, monter sur le... Oh my god. Tabarnan, man. Oh, attends, il faut allumer le moteur. Ok, Z. Et là... Tabarnan, man. Qu'est-ce que c'est ça? Changer la hauteur de la tonte. E et C. Ok, go. Non, attends. On n'est pas sur l'herbe encore. On va jouer un petit peu roleplay. Donc là, Alex s'apprête à couper du gazon. Une fois sur la pelouse, commence par choisir une hauteur de tonte pour ton plateau, puis engage les lames. N'engage jamais les lames quand tu ne trouves pas sur l'herbe, au risque de les abîmer. Je le savais pas. Putain, mais ça tombe dessus, là. Z pour engager des engages. Ah, oh, ok, c'est ça. Ok. Ouais, tombe-moi ça, man. Oh! C'est calme, man. Un gros jeu. Gros jeu pour de vrai, là. Hey, my god, man. Hey, fuck off, man. Ça pète-tu? Il est là, mais non, ça pète pas. C'est gros menti, man. Ok, on va acheter le véhicule. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Il est vraiment laid, fait que pourquoi pas. Oh non, t'es sérieux. Ok, on a même les matériels de coupe sur le côté, quoi. La finition et tout. Très très bien pensé. Bon, ok. Jardin avant. Confirmer le contrat. Ok. Commencer. Premier contrat, tout le monde. On va voir ce que vaut le jeu. Est-ce que je vais être un bon coupeur de gazon? Bon, objectif de tonte 99%. Hauteur de tonte 5 cm à 6 cm. Il faut être vraiment investi pour de vrai. Oh non, faut que t'en... Tabarnan, man. Faut que t'enlèves les différents objets sur la pelouse. 5 objets. Ça fait 5 objets. Vérification du sol terminée. Bon, déjà, premier truc que je peux dire, c'est que on peut voir que le monde qui paye des coupeurs de gazon, il roule pas dans de la merde, quoi. Ok, là, il est à 2400 RPM. Ah ouais, bien temps. Calme-moi. C'est brusque. Hauteur de tonte 5 à 6 cm. On va te le faire à 5 cm, madame. T'inquiète pas. Vous êtes pour engager les lames. On commence à tondre. Bon, ok, c'est parfait. On a fini, tout le monde. Pour de vrai, c'est vraiment un jeu de merde. Je peux donner une conclusion.